Bonjour, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Donc, on va commencer tout de suite. Bon, bah, j'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon dimanche pour certains et certaines. Alors, vous pouvez me contacter directement sur Telegram. Donc, voilà, à Lotus Pacham ou à Lotus Pacham Tarot, il y a un canal public pour pouvoir me parler. Alors là, on commence avec un roi de bâton. Donc là, c'est Chucking Express. Visiblement, ça va être Express. Hein, ça va aller rapidement. Ça concerne quelqu'un qui a peut-être mangé quelque chose qui était périmé, ou en tout cas, on peut dire que votre situation actuelle est périmée. Et donc, en fait, on vous demande de passer à autre chose. Ça concerne aussi quelqu'un qui pense ou qui a habité dans un quartier de Hong Kong. Et là, vraisemblablement, en fait, eh bien, vous avez acheté quelque chose, ou en tout cas, vous avez fait une rencontre périmée, ou en tout cas, une rencontre très empoisonnante avec Chucking Express. Et donc, on était dans le passé avec des anges déchus, voilà, vous étiez dans l'idolâtrie, et en même temps dans la fatalité. Donc là, il y a des gens qui sont partis en exil. Alors là, nous avons alors un as de cœur, un as de coupe, hein, mais il est à l'envers. Oui, c'est exact. Non, il est à l'endroit, pardon. Alors, ma vie sans moi. Alors, ma vie sans moi, c'est pas drôle du tout. Donc là, on quitte, on va dire, des masculins qui pouvaient être dans la colère ou peut-être dans l'hypocrisie. Et donc, en fait, on va aller vers quelqu'un, visiblement, qui se pose des questions pour réaliser ses rêves. Et ça concerne aussi de la transmission. Et donc, vous vous rendez compte que finalement, eh bien, vous avez vécu sans vous-même. Voilà, vous avez vécu, en gros, à côté de vos pompes. Donc voilà, et de l'autre côté, eh bien, c'était la fleur de mon esprit. Donc en fait, il y a des gens qui se sont racontés visiblement beaucoup de bobards dans votre vie ou dans leur vie, hein, les masculins. Et donc là, vous êtes dans l'émotionnel, visiblement, vous êtes en train de couper des liens avec vos pieds aussi. Voilà, vous étiez dans les romans à l'eau de rose, voilà, vous aviez lu des choses, des écrits, des lettres, où en fait on décrivait des bons sentiments, donc vous vous êtes dit que la vie c'était la même chose, et en fait, eh bien c'était dans votre esprit visiblement, et là vous vous êtes rendu compte que vous avez rêvé votre vie, vous n'étiez pas incarné dans la matière. Donc là on est sur un 6 de bâton, donc là on est avec des masculins qui sont à la fois dans la vérité et dans le mépris, donc visiblement vous avez la vérité sur le mépris par rapport à une féminine. On est sur un 6 de bâton à l'envers, donc en fait ça veut dire aussi qu'on est en train de quitter une situation où on va dire on était assez superficiel, assez frivole. Ça peut être aussi quelqu'un qui était dans le dilemme, voilà, et là visiblement par rapport à une féminine, eh bien vous êtes en train de regarder la vérité et vous vous rendez compte que vous étiez dans le mépris. C'est un petit peu comme hier, hein, bien sûr. Et oui, parce que vous étiez dans Maps of Stars, vous étiez fait un monde de stars, vous étiez fait une carte du ciel, c'était la carte des étoiles évidemment et des célébrités, donc ça correspond évidemment au Joker et visiblement d'avoir rencontré des stars, d'avoir rencontré une femme ou un fantôme de votre mère qui avait un souhait vicieux, eh bien ça va être un joker dans votre vie. Vraisemblablement vous étiez entouré de psychopathes ou vous êtes vous-même un psychopathe, voilà, ou peut-être que vous avez fait des séances, on va dire en hôpital psychiatrique, et donc là en fait avec ma pop stars, eh bien on a pas mal de gens qui vous ont visiblement empêché de retrouver peut-être une féminine, puisque en contre, nous avons les flammes jumelles. Voilà, donc là, Map of Stars, et là, vous avez la vérité, on va dire, sur peut-être une histoire de mépris social. Alors, on continue. Bon, il y a des gens qui sortent de leurs illusions. Bon, c'est positif, mais ça fait très mal. Je préfère quand même le dire, hein. Faut pas s'imaginer que quand on arrive dans la vraie vie,
Eh bien, ben voilà, tout se passe bien. Au contraire, c'est la pluie du mental, c'est la pluie de l'ego. Et là, visiblement, vous en prenez plein la tête, plein l'émotionnel. Et donc, c'est complètement normal parce que vous sortez de vos illusions. Alors là, on est sur un 2 de bâton, donc à l'envers. Donc clairement, il y a un homme en fait qui est en pleine, voilà, vous êtes en plein dilemme. Vous avez deux chemins, vous savez pas lequel choisir. Voilà, bon, c'est pas encore arrivé dans la matière. Là, en fait, on est sur un 7 de coupe à l'envers. Donc là, on se fait plus d'illusions, mes amis. Et donc là, on se fait plus d'illusions, visiblement, sur une femme. Je veux dire, qui vous mettait peut-être dans un système de mélancolie, dans de la dépression. Et là, visiblement, vous vous êtes rendu compte que par rapport à quelqu'un, on va dire, du passé, eh bien, vous avez rêvé votre vie, hein. Je veux dire, ma vie sans moi, c'est ça. C'est-à-dire que vous étiez plus, votre rêve était plus important que vous-même. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et là, visiblement, eh bien, vous sortez de vos illusions. Et comme on a 7 de coupe à l'envers et 6 de coupe à l'envers, ça fait 13, 13, c'est même, on est en train de trancher, on est en train de couper, c'est l'émotionnel qui remonte à fond. Donc voilà, c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on se dégage de toute la merde, en fait, de toutes les illusions. C'est un truc complètement logique, vous êtes en pleine transformation, en plein changement, c'est une force vitale qui est en train de remonter et vous êtes sur une mort initiatique, ce qui est logique. Voilà, donc voilà, donc pas de panique, c'est normal, vous sortez du tombeau, vous êtes en train de passer de l'ombre à la lumière, bon, même si vous avez l'impression que vous êtes en train de vous noyer, voilà, et donc en fait, vous êtes en train de sortir du puits, évidemment, bon, c'est une métaphore, et donc en fait, vous allez être de plus en plus vers une nouvelle progression, vous allez aller vers quelque chose de complètement nouveau, alors vous ne savez pas, alors évidemment, vous avez très peur, donc c'est pour ça que vous êtes complètement angoissé. Et donc c'est pour ça qu'on a toutes les coupes à l'envers. Donc en fait, vous allez balayer, on va dire, les énergies négatives et votre passé va rester en arrière et enfin vous allez pouvoir profiter de vous-même. Voilà. Alors là, évidemment, la vérité, le mépris, bah, ça fait très mal puisqu'on est sur une union à l'envers. Donc là aussi, on est sur, bah, voilà, on n'est pas sûr de la réunion, mes amis. Voilà, on n'est pas dans le soleil, on est dans la lune, enfin je veux dire, on est dans le noir surtout. Voilà, on n'est pas dans l'inspiration non plus, on n'est pas dans l'illumination parce que tout ça fait très très mal, hein, donc voilà, donc on va dire qu'on est plutôt dans le dépouillement, hein, le dépouillement du mépris, le dépouillement de l'ego, on est en train de laisser tomber, voilà, et ça fait très très mal, c'est une déflagration mentale. Ensuite, bon bah c'est normal, Map of Stars évidemment, vous avez une vision un peu différente des choses et surtout des célébrités ou d'une personne psychotique autour de vous, comédienne accro aux médicaments, obsédée par le fantôme de votre mère qui avait un souhait vicieux. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, vous prenez du recul par rapport à cela pour prendre, évidemment, après une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Voilà, bon, après, on va être dans le Choking Express. Bon, après, ça va un petit peu plus bouger, mais là, on a les pieds dans le béton, hein, le béton du mental, hein, bien sûr. Donc, en fait, il faut savoir dire merde au mental, hein, voilà. Bon, après, c'est très difficile parce que votre cerveau ne sait qu'additionner et que multiplier, soustraire, il sait pas, il connaît pas, il n'en a jamais entendu parler. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut mettre des choses positives dans la balance. Et évidemment, il faut faire des actes positifs. Il ne faut pas faire des actes, je veux dire, voilà, dans l'illusion, ça a jamais fait avancer personne, hein. Donc là, effectivement, ben, on est toujours sur la même carte. Donc c'est un 10. Un 10, évidemment, c'est Yod. Voilà, on est toujours dans la malroute, on est toujours dans la roue du karma, on est toujours avec quelqu'un qui est en train de se prendre un mur. Et là, visiblement, ben, c'est un petit peu les escalators, hein. Vous êtes tout en haut et vous continuez à marcher, mais là, il n'y a plus rien qui avance. Voilà, donc là, il n'y a rien qui avance, mes amis. Alors, la vie sans moi, bon, la vie sans moi, carte numéro 58. Hein, donc là, on va être, bah, ça fait 13, hein, donc voilà, donc là, visiblement, il y a une élévation, visiblement, bon, bah, il y a des gens qui sont en train de vous aider, vous êtes en train de regarder l'horizon, et là, vous êtes en train de vous rendre compte, finalement, eh bien, qu'il faut trancher
dans tout cela, voilà, et donc là, vous êtes dans le refus d'accepter de nouvelles perspectives, hein, mais bon, après, il va y avoir une nécessité pour changer. Oui, effectivement, donc là, nous avons bien la carte numéro 33 à l'envers. Alors, je vous la montre, hein, évidemment, on voit bien un yogi, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui s'assoit, et là, vous n'avez pas du tout envie, visiblement, de vous asseoir et de méditer, parce que vous êtes sur un 6 de bâton, un 6 de bâton, enfin, je veux dire, bon, voilà, ça se pose là. Voilà, tout le monde vous regarde, vous êtes adulé, vous avez de la notoriété. Qu'est-ce à quoi de se mettre par terre comme un yogi pourri, c'est pas possible. Donc là, évidemment, bah, c'est 33 à l'envers aussi. Hein, donc en même temps, vous êtes dans le sacrifice, hein, mes amis, parce que là, vous allez avoir la vérité qui va vous tomber dessus. Donc voilà, et là, vous allez comprendre que non seulement, enfin, vous avez beaucoup méprisé des gens autour de vous. Donc là, carte numéro 38, donc là, c'est pareil, on est sur, bah, sur 11, donc là, sur, voilà, sur le pendu et sur le joker de Map of Stars, eh bien, on va être, voilà, vous allez avoir un éclaircissement, vous allez comprendre ce qui s'est passé avec un souhait vicieux ou une comédienne accro aux médicaments obsédée par le fantôme de votre mère. Voilà, c'est ce qui est écrit sur ma carte, ou carrément, voilà, vous étiez entouré de psychopathes avec Cronenberg. Alors, on continue. Hop. Bon, il y a des gens qui sont en train de partir de l'idolâtrie, hein, visiblement. C'est assez. Alors oui, là vous êtes en train de partir pour un amour, c'est un 2 de coupe, hein, donc voilà, c'est une flamme jumelle. Bon, on fait des flammes jumelles, donc c'est une flamme jumelle. Carte numéro 48, donc ça fait 12. Donc là vous êtes toujours dans la situation du pendu par rapport à un 2 de coupe. Voilà, et là vous êtes dans l'amour, hein, vous n'êtes plus dans le désir, vous avez compris un petit peu comment vous fonctionnez. Donc c'est assez positif. Donc là, il s'agit d'un homme de la campagne, un homme d'un certain âge. Hein, voilà, un homme, voilà, vraiment, oui, d'un très certain âge. Un homme qui peut être bon et sévère, visiblement, et un homme qui comprend que ben, il a passé sa vie finalement à courir après des illusions. Allez, ensuite, la vérité, le mépris. Bon, ben là, on est toujours sur un 6 de bâton, donc vous comprenez que les gens autour de vous, eh bien, ne sont pas vos amis, ce sont des domestiques. Voilà, donc c'est assez clair. Après, on a 33 plus 30, ça fait 333. Donc, on est beaucoup dans les 3. 3, c'est Guimel. Voilà, donc en fait, c'est l'équivalent de l'impératrice. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, vous allez comprendre votre hérédité, hein, par rapport, en fait, au mépris que vous avez, par rapport aux personnes qui vous entourent. Parce que visiblement, eh bien, vous êtes en train de reproduire en fait un schéma que vraisemblablement dans votre famille ou dans votre cercle social, tout le monde reproduit. Alors, on continue. Donc là, on a deux rois de bâton. Hein. On a Choking Express, donc un mec qui revient très très vite. Hein. Et on a quelqu'un qui est dans la tristesse, la mélancolie, le drame, l'émotionnel à fond. Hein. Voilà, et qui vit à la campagne. Voilà, et là, visiblement, vous comprenez que quelqu'un va parvenir. Parce que vous sortez de vos illusions. Allez, hop. Ensuite, bon, bah, finalement, on va aller au temple, hein, mes amis. Carte numéro 72, 72, c'est le dernier ange de la cabale. Et il s'agit de Mumia, donc on est en pleine transformation alchimique avec un homme par rapport à un amour, par rapport à un 2 de coupe. C'est très positif. Alors ensuite, bon, bah, votre vie finalement c'était de la mascarade, hein, voilà. Donc vraisemblablement chez vous c'était l'auberge espagnole, c'est ce que vous êtes en train de comprendre. Et finalement, eh bien, vous n'avez fait que vous distraire. Ou visiblement pour certains votre vie c'était Disneyland. Donc là, effectivement, là on est sur un 2, donc on est sur Bess, mais c'est à l'envers. Bess c'est le chakra numéro 6, c'est le chakra sacré, c'est le prêtre, la prêtresse ou la papesse, hein, l'équivalent. Et donc là, vous sortez du silence par rapport à vos ancêtres, visiblement. Voilà, et donc là, vraisemblablement, eh bien, ça va vous offrir des réponses. Bon, visiblement, pour certains, vous avez quand même votre arbre généalogique qui part en sucette, mes amis. Et donc là, c'est ce que vous allez découvrir. Voilà, il va y avoir une grosse vérité, visiblement, par rapport à des gens autour de vous qui ne sont que des domestiques. Ou qui ne sont que des gens, voilà, des valets, des gens qui vous disent, qui vous brossent dans le sens du poil, on va dire.
Ensuite, sur Map of Stars, bon, bah, vraisemblablement, il y a une personne qui est partie qui est nue, hein, visiblement, et là, vous la regardez partir. Voilà, parce que vous faites le pendu par rapport à quelqu'un qui s'en va. Voilà, une femme nue. Une femme nue, et en même temps, j'ai l'histoire d'un 5 de bâton avec un procès. Donc, on a fait un procès. On a fait un procès à un homme, visiblement, pour récupérer de l'argent. Et pendant ce temps-là, en fait, une femme est partie. Et ce qui est intéressant, c'est le procès, ça vient directement de... voilà, c'était, on va dire, un truc machiavélique avec des célébrités. Voilà. Alors, ensuite, je continue. Voilà. Je vais les mettre là. Alors, bon, bah là, on a le roi de clé. On a quelqu'un qui arrive parce qu'il a trouvé la clé. Donc, c'est positif. Alors, la vie sans moi, j'avais trois cartes. Donc là, visiblement, votre vie sans vous, bon, bah, vous allez comprendre parce que vous allez avoir une grosse vision de votre ego. Hein. Visiblement, la mascarade, c'était dû essentiellement à l'ego que vous aviez, au mental. Hein. Et vraisemblablement, ça se reproduit. Hein. C'est-à-dire qu'en fait... dans votre famille, je veux dire, tout le monde est comme vous, hein, vous êtes tous mis sous cloche. Hein. Donc ensuite, on va avoir l'archange Raphaël, hein, donc en fait l'archange qui va être là en fait pour, on va dire, vous donner un coup de main au niveau du chakra du cœur. Et après, on va aller dans volonté, sagesse et esprit, donc avec un homme de la campagne, vous voyez, voilà. Avec un homme de la campagne, on va partir d'un 6 de coupe, on va partir de la mélancolie, du drame, des angoisses. Donc ça, c'est bien. Carte numéro 20, en même temps, on est dans Rêche, on est sur la tête de profil, on est sur le jugement dernier. Voilà, c'est un homme qui était enfermé dans les pièges de la matérialité. Voilà, et vraisemblablement, ça vous a beaucoup alourdi. Et donc là, vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui vous retient en arrière. Et là, sur le mépris et la vérité, on est en train de trouver un équilibre, ou de trouver de l'équilibre peut-être aussi dans un procès ou par rapport à des documents administratifs que vous allez faire. Et ça concerne directement, vous allez couper par rapport à votre hérédité aussi. Et peut-être par rapport au fait d'être peut-être un domestique par rapport aux gens, ou en tout cas, on va dire, d'être, voilà, de vous êtes en train de reprendre finalement les rênes de votre vie, voilà. Alors ensuite, 5 de rose sur Map of Stars. Donc là, on a des enfants qui sont dans un jardin, donc c'est le jardin. Visiblement, vous étiez entouré de beaucoup de gens, visiblement, ça concerne des personnes qui vous ont fait un procès ou, je veux dire, qui se sont mal conduits avec vous. Ça concerne un souhait vicieux par rapport à une comédienne accro aux médicaments, obsédée par le fantôme de votre mère, visiblement. Et là, vous avez laissé passer ou laissé partir, je ne sais pas, une personne nue, visiblement, auquel vous tenez, voilà, parce qu'il y avait un procès. Alors, ensuite, on continue. Alors là, nous avons carte numéro 14 à l'envers, donc on n'est pas du tout dans la tempérance. Donc nos choix individuels et nos actions affectent la totalité. Voilà, donc là, vraisemblablement, eh bien, vous avez fait les mauvais choix et ça a beaucoup affecté, on va dire, votre situation et aussi votre émotionnel. Donc ma vie sans moi, donc là, on a deux mains ouvertes et vides. Et une personne qui étire ses jambes. Et donc, en fait, on vous dit la création est toujours en train de se produire. C'est une carte très positive, visiblement, pour un homme de la campagne. Voilà, et donc, visiblement, vous avez des interconnexions spirituelles et énergétiques. Carte numéro 13, hein, vous êtes en train de faire le deuil sur beaucoup de choses du passé.
et sur votre ego aussi. Donc on a l'ego qui tombe. Encore deux cartes dorées. Les racines proviennent des nagas. Donc là, c'est pareil, c'est par rapport à des connaissances que vous avez. Il s'agit de Garuda, l'aigle, qui pose l'élixir dans l'herbe. Ça concerne de la réincarnation. Donc là, vous allez avoir la vérité par rapport, on va dire, à un arbre transgénérationnel. Vous lâchez beaucoup de choses dans votre arbre transgénérationnel. Et donc, ça concerne évidemment des gens qui ont un espace psychologique déconnecté. Et donc là, une pensée, la journée est foutue. Et donc là, en fait, eh bien, vous allez comprendre pourquoi, en fait, vous êtes toujours de la dépendance émotionnelle. Et là, il y a visiblement, il y a quelque chose qui se détache visiblement de votre ego. Et ça concerne de la réincarnation partielle. C'est la carte numéro 3, donc on est encore dans Guimel, donc ça fait beaucoup de 3, ça fait 4 3. Ensuite, sur Map of Stars, se délivrer des emprises néfastes, donc vous allez vous délivrer des stars, des célébrités, du bling-bling, de la merde, quoi, voilà, des gens qui ont des souhaits vicieux, des gens qui projettent le fantasme de votre mère, une comédienne qui est sous médoc, ou des gens qui sont psychotiques, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Et là, nous avons la carte numéro 22, donc des flammes jumelles qui est à l'envers. Voilà, et là, vraisemblablement, en fait, ça colle avec ça. Voilà, les deux cartes à l'envers, ce sont celles-ci. Et vraisemblablement, en fait, eh bien, à cause de cela, eh bien, il n'y avait pas d'évolution. Il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas de progression. Et donc là, vous allez être dans les prières et les rituels. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que les esprits nous donnent du pouvoir pour se délivrer d'emprises néfastes. Bon, alors on continue avec Sexus. Décidément, j'ai mes cartes qui partent dans tous les sens. Dans son désir pathétique de rejoindre sa souffrance, il s'était retrouvé face à face avec le masque. Donc là, vraisemblablement, vous allez vous retrouver face à face avec vous-même. Voilà. Voilà, et donc là, vous allez avoir peur. Et après, vous allez avoir un rictus. Voilà, et puis un aimable sourire. C'est la carte qui est en dessous. Donc, pas de panique. Ok? Alors, ma vie sans moi, bah vous tombez de votre lit. On ne dort pas pour de bon, on se remue toute la nuit, on ne sait jamais où on va. On a les foies à en crever, on n'ose rien dire, rien de vrai en tout cas. Donc là, vraisemblablement, cette carte, vous voyez, est à l'envers. Donc là, visiblement, vous allez comprendre qu'il faut dire la vérité, tout simplement. Voilà, et c'est comme ça que vous allez avoir les mains ouvertes. Voilà, et vous allez trancher, visiblement, c'est un homme de la campagne qui va trancher avec ce qu'il a l'habitude d'être, hein, de vous remuer toute la nuit et puis d'avoir les foies en crever. Là, vous allez sortir de vos angoisses. Donc, leur paresse, leur laisser-aller ne sont que faux semblants, leur cerveau renferme souvent des diamants. Donc là, visiblement, le diamant que vous allez trouver dans votre cerveau, c'est la vérité. Voilà, ensuite sur Map of Stars, bon là on a deux cartes à l'envers, reconnaître humblement l'existence d'une vision qui dépasse la nôtre. Donc là visiblement c'est ce que vous n'avez pas vu, hein, que vous avez, il y a une vision en fait qui dépasse évidemment votre logique, hein, voilà, parce que vous étiez entouré d'abrutis et de gens, de célébrités, de tout ça, vous étiez dans des emprises néfastes. Et donc ensuite, elle avait l'air indiciblement triste et lasse, l'air d'une épave humaine se balançant à un crochet de boucher. Je baissais les yeux de mon côté. Donc là, on va quitter évidemment cette situation du crochet de boucher.
Donc voilà, vous étiez beaucoup dans les voilà, enfin on vous avait crucifié en gros, et là vous allez comprendre que bon bah là vous partez de cette situation de crochet, de boucher, parce que il y a quelque chose d'autre qui vous attend, quelque chose qui est une vision qui dépasse la vôtre, hein, visiblement voilà, et donc c'est intéressant parce que grâce en fait à cela, grâce à cette situation, hein, du crochet de boucher, de ce sacrifice, eh bien vous allez répondre en fait à un désir de pouvoir en fait vous désidentifier de votre souffrance, et en cela vous allez vous retrouver en fait face à face avec votre masque, donc avec votre ego, et c'est comme ça qu'on fait tomber l'ego. Voilà, mes amis. Donc c'est assez positif. Après, ça fait très mal, hein. Je préfère quand même le dire. Tout ce que je décris là, c'est des trucs qui sont extrêmement douloureux, hein. Voilà, donc soyez sans crainte, hein. Si vous voulez avoir des explications, voilà, ben écoutez, vous pouvez m'envoyer des messages sur Telegram, je vous répondrai avec plaisir, parce que c'est pas évident. Alors là, nous avons papa ne veut pas que je joue du violon. Donc là, visiblement, la carte est à l'envers. Donc là, vous allez pouvoir, on va dire, faire des choses qui vous plaisent. Donc pour certains, vous allez pouvoir vous mettre au violon, hein, puisque visiblement, eh bien, vous vous autorisez en tout cas de faire ce que vous aimez. Donc là, le miroir est l'autre en face de vous. Là, le cerveau prend soin de vos doutes et de vos blessures. Cette carte est à l'envers. Donc en fait, là, vraisemblablement, eh bien, vous allez comprendre que en fait, bah, c'est vos doutes, hein, c'est les doutes et vos blessures qui vous ont bloqué. Visiblement, c'est votre ego qui vous a bloqué. Ensuite, la vérité, le mépris. Eh bien, les mots vous font mal. Donc, cet acte est à l'envers. Donc, en fait, on va quitter des gens qui vous disent des choses très négatives. Ça concerne votre arbre transgénérationnel, des membres de votre famille. Vous avez besoin d'équilibre. Et là, sur Map of Stars, on a mon âme cerveau me dit que je suis le seul à savoir ce qui est adapté à ma vie et à mon évolution. Donc là, vous allez prendre votre petit vélo dans la tête, hein, vraisemblablement, et puis vous allez décider de partir de cette situation en baissant les yeux, parce que vous allez reconnaître l'existence d'une vision qui dépasse la vôtre. Alors, je vais prendre pour terminer mes petites lettres hébraïques. Donc là, effectivement, vous voyez, aujourd'hui, on est dans le même. Donc en fait, on est vraiment, je veux dire, dans la mort. Voilà, on est en train de trancher. On est dans l'eau, hein, puisque même, ça veut dire eau. Il s'agit de Netzach et de Tiferet. Vous êtes dans la transformation, le changement. Voilà, vous êtes dans la mort initiatique, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, en tout cas, vous allez développer des actions qui vont remplacer ce qui est obsolète dans votre vie. Allez, on continue et on termine. Donc là, vous êtes sur la fin. Alors là, nous avons toujours comme hier le deuxième sexe. Donc, il s'agit d'un livre de Simone de Beauvoir. Donc là, vous allez recevoir un appui, un jugement légal de la purification, un secours efficace. Et donc, il est question d'ego, un ego qui bloque. Il s'agit de l'orgueil et de la fierté. Et il s'agit aussi de mettre un temps de pause. Donc là, vous allez vous poser quelque part, vraisemblablement pour avancer, et donc c'est après une rupture évidemment avec une Lolita. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'on avait le 6 de bâton, parce que vous aimiez briller, évidemment, vous vous êtes fait prendre par la patrouille de l'ego. Allez, hop. Bon, ben, 10 de denier. Donc là, on est sur le grand pardon.
Donc là, visiblement, bon, bah, vous étiez dans les entraves, vous étiez dans l'attente d'un héritage, il y a du blocage matériel ou physique. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer et vous êtes dans les tracas. Et donc, c'est le grand pardon, visiblement, par rapport à une femme, un deuxième sexe. Hein. Voilà, parce que visiblement, vous, vous vouliez être dans la sécurité, vous vouliez être avec The Map of Stars de Cronenberg. Voilà, vous étiez à fond dans le bling-bling, vous étiez Gatsby le magnifique. Et là, bon, bah, visiblement, bon, bah, là, on n'est pas là-dessus, mes amis. On était dans l'idolâtrie par rapport à une femme qui prenait des médicaments aussi. Allez. Donc là, nous quittons aussi le Douvan du Pavot, carte numéro, enfin non, il n'y a pas de numéro justement. Donc là, bon bah là, en tout cas, c'est le renouveau, c'est l'éveil, c'est la renaissance. Mais en fait, on n'y est pas, hein. Visiblement, on est plutôt, bon, vraisemblablement, on n'y est pas, hein. On n'y est pas du tout, hein. On est plutôt sur un accident, on est plutôt quelqu'un qui est en train de se frayer un passage à travers les cailloux. Et là, on n'est même pas dans les jeunes pousses qui traversent la neige. Hein. Je veux dire, là, on n'y est pas, mais on est quand même, y a quand même quelque chose. Hein. Bon, allez. Ensuite, bon, bah là, Nabucodonosor, là, visiblement, on fait table rase avec toujours un roi de bâton. Hein. C'est le troisième roi de bâton. En même temps, on va être sur Aïn à l'envers. Donc Aïn, c'est la maison de Dieu à l'envers. Donc avec Nabucodonosor, là, il y a des choses qui sont en train de cramer sérieusement pour, en tout cas, un homme de la campagne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est sur un œuf de coupe, on est sur Love Actually, on est en train de sortir d'un Crazy Stupid Love. Voilà, et donc en tout cas, vous allez vers des vœux exaucés, un avenir heureux, du succès, de la prospérité, de la joie, de la réussite et la réalisation d'un rêve. Donc là, visiblement, bah, il va falloir sortir de la mentalité étroite ou il va falloir se rendre dans une île. Voilà, visiblement, vous aimez une féminine à la folie. Et là, vous avez aussi des remontées des profondeurs de votre émotionnel, justement, par rapport à une femme. Et il s'agit d'une aventure inattendue. Il s'agit aussi d'évasion et de solitude. Et c'est le début de la conscience. C'est aussi un déplacement. Et ça concerne les cultures du monde entier. Et ça concerne aussi un exil. Alors ensuite, nous avons la fille du train. Bon, il y a une nana qui se déplace, hein, de deniers. Donc là, visiblement, bon, bah, vous êtes paresseux dans votre tête. Voilà, visiblement, vous allez traverser les faux-semblants. Bon, le diamant dans votre tête, c'est une féminine, c'est la fille du train. C'est une histoire sans fin. C'est une histoire de flirt, de relations courtes, de mauvais choix, de fuite de l'amoureux, d'incompréhension et d'hypocrisie. Et là, vous allez voir clair sur la vérité, sur votre mépris. Ensuite, on a un 2 de coupe, toujours coup de foudre à Notting Hill. Donc, la fille du train, c'est la fille de Notting Hill. Et derrière, nous avons l'anneau, l'empire du pouvoir, visiblement. Et là, ça va être la vérité, hein, mes amis. Vous allez avoir une crampe au cerveau. Hein. Parce que vous allez, il y a une bague ôtée pour libérer un destin. Donc il y a quelqu'un qui se sépare d'une personne pour un conte de fées. Donc voilà. Ouais, il y a une alliance. En même temps, il y a quelqu'un qui s'était enfermé dans quelque chose. Voilà, parce que vous étiez aussi dans la soumission. Et là, je suis dans Zaïn à l'envers. Donc là, vous avez encore du mal à trancher, hein, puisque Zaïn, c'est le chariot et en même temps, c'est l'arme tranchante. Donc là, en fait, après, on va trancher dans cette situation-là parce qu'on va se rendre compte de toutes ces choses. Alors ensuite, sur Map of Stars, j'ai toujours le soleil à l'envers. Donc là, évidemment, il n'y a pas d'union, il y a de la désunion. Aussi, vous vous libérez des emprises néfastes. On a toujours l'invitation de la statue à dîner. Hein, voilà. Voilà, on va dire, il y a des épousailles ou un mariage repoussé. Il y a de l'apaisement.
Il y a de la confirmation par rapport à un amour. C'est un as de coupe. Voilà, il y a quelqu'un qui est en plein repentir. C'est Don Giovanni. Voilà, parce que voilà, c'est une personne qui avait refusé visiblement certaines choses, des relations, on va dire. Et là, bah oui, vous étiez tombé sur un escort boy ou un escort girl, vous étiez vous-même escort boy de quelqu'un. C'est un 8 d'épée, donc là, visiblement, il y a des gens qui se sont fait avoir, vous pensiez tomber sur une nana, et puis en fait, la nana, c'était juste, enfin, je veux dire, une escort girl, on va dire. Voilà, et donc là, eh bien, vous tenez bon. Bon, votre objectif est bloqué, bah oui, ça se comprend, hein, visiblement. Bon, après, il y a des gens qui ont invité des statues à dîner, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est rien passé. Donc voilà, parce que vous, en fait, eh bien, vous, en tout cas, c'est de la trahison, ça, hein. Rumeur, frustration, maladie, hein, voilà, vous êtes tombé dans un piège, vous étiez bloqué dans un piège, et il s'agit de Bacchus couronné de raisin à Pompéi, et là, visiblement, c'est pas le couronnement, puisqu'en fait, on est à l'envers, alors ça concerne peut-être des gens qui ont des vignes, ou peut-être, voilà, les sarments du vin du Christ, et là, visiblement, visiblement, il n'y a pas d'union, hein, voilà. Parce qu'en fait, là, vous vous libérez d'emprises néfastes. Voilà, vraisemblablement, voilà. Bon, là, vous voyez, il y a des gens qui se séparent. Alors, je termine. Hop. Alors, donc là, évidemment, on est sur une île, on est en retrait, c'est vendredi ou les limbes du Pacifique. Donc, vous êtes sur un repos forcé, sur un burn-out, sur de la solitude et sur du dépit. Et donc, il y a des personnes qui étaient aussi dans le surmenage. Donc, sur ma vie sans moi, nous avons évidemment l'illusion. Donc là, vous avez traversé l'illusion. Et puis, ça correspond aussi à Kof, toujours à l'envers. Donc en fait, eh bien, on est dans la, on n'est pas dans la fusion, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans l'union, au contraire. Donc il y a des gens qui se séparent et qui se libèrent en ce moment. Et là, nous avons le rouge et le noir à l'envers. Donc là, c'est pareil, vous quittez cette situation, cet empire du pouvoir. Voilà, vous quittez la soumission. Voilà, bon, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à demain. Au revoir.